J'ai des responsabilités, j'ai une vie à l'extérieur, je pourrais bien passer ma vie à l'Est et pas croiser à l'étranger. Je ne le fais pas parce que pour moi, la vie. Bon après-midi, mesdames et messieurs, nous sommes là par la grâce de Dieu une fois de plus pour il nous reste pratiquement deux émissions pour boucler cette année 2017. Nous sommes là, disais-je, par la grâce de Dieu. Dieu est bon, il nous a accordé encore un autre souffle de vie que nous ne méritions même pas. Voilà pourquoi nous tenons d'abord à dire merci pour cette opportunité. Mesdames et messieurs, pour cet après-midi, j'ai le signe honneur de vous introduire, de vous présenter mes deux autres à ma gauche. Vous avez monsieur Tati et à ma droite plutôt monsieur Jean-Pi. Et même auront le temps de vous fournir de plus en plus d'informations. Pas plus tard que la semaine dernière, la ville de Londres a été vraiment secouée. La ville de Londres a été secouée. Nous avons connu une visite par de moindre de M. Sindika Dokolo, qui est l'initiateur du mouvement citoyen que nous appelons les Congolais debout, LCD ou bien LCD en abréviation. On était là, je crois que la rencontre a eu lieu au centre-ville, nous sommes ici à Londres bien sûr, mais ce qui a marqué, ce qui nous a touché le plus, c'est l'humilité de cet homme par rapport à tout ce que les gens racontaient, tout ça. Et voilà pourquoi, étant donné qu'au niveau des diasporas positives, nous sommes là pour contribuer, pour amener un petit plus au niveau de la communauté. Je parle particulièrement de la communauté francophone. J'ai jugé vraiment, nous avons jugé utile de faire venir les délégués ou les responsables de le Congolais debout au niveau de la ville de Londres. Sans plus tarder, je m'en vais maintenant leur laisser d'abord la parole pour un petit mot, un petit coucou à nos très nombreux téléspectateurs. Ce sont des milliers de gens qui vont vous suivre. Nous sommes en direct de la ville de Londres. Je commence à ma gauche. Si vous pouvez vous présenter à des millions de téléspectateurs. Ok, merci, thank you. I think I would like to express myself in English and Lingala because French is very difficult. Do it. Thank you so much for inviting us today. Kombo nanga isali Mr. Tati Okampela. Nazali moko yaba coordinateur ya le Congolais debout here in London. On a kati à London. Et tozali vraiment nesengo mingi for bino ndenge bo invité biso awa na kati ya Olive TV. We very proud and very happy by the way we invited today in Olive TV to pass this short message. Thank you so much. You're welcome. Ok, et à ma droite. D'abord, j'aimerais personnellement vous dire merci pour l'invitation. Je me nomme Jean-Pierre Kayembe. Je suis aussi un homme de Dieu. Pasteur. Je suis parmi. On est deux responsables ici à Londres qui représentent les Congolais debout. Ok.
En dehors de ça, je gère aussi le North London, donc qui dit North London, North England. Ok. On voit toutes les villes qui sont dans le nord de England. Nous sommes aussi en train de coordonner en fait les travaux des Congolais de Bolat là aussi. Très bien. Et une fois de plus, soyez les bienvenus sur ce plateau des Diaspora Positive. Sentez-vous vraiment à l'aise. Nous allons essayer. Cette affaire ne concerne pas seulement les Congolais, parce que c'est vraiment, je dirais, c'est la raison d'être de cette émission, c'est aider le continent Afrique à se relever. Ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Alors, raison pour laquelle nous allons essayer de mixer et l'anglais et le français. Je sais que là, M. Tati ne veut pas me tenir rigueur. Coordonnateur, jeudi passé, la ville de Londres a été secouée avec un meeting, pas de moindre. Il y en a, je dirais même, la plupart d'entre nous ont eu l'occasion de palper de doigts, comme on dit, de voir de visu l'initiateur de ce grand projet, un projet apolitique qui ne regarde pas les colorations politiques, parce que nous, les Africains, ce qui nous divise, c'est la politique. Mais ce projet, les Congolais debout. Merci beaucoup à la régie. Ok, well done. Monsieur Cindy Kadokolo, en tant qu'initiateur, c'est quoi au juste le Congolais debout pour des millions de gens qui vont vous suivre en live? Je commence par le passé. Enfin, Monsieur Jean-Pierre, ordinateur. Merci beaucoup d'abord pour la question. La première chose, je vais dire qu'en fait, c'est bien de parler de l'Afrique. L'Afrique a un potentiel. Ouais. Aujourd'hui, le monde entier se réfère à l'Afrique par rapport à ses minéraux, par rapport à ses richesses, malgré que l'Afrique elle-même ne se retrouve pas. Les dirigeants africains, lorsqu'ils ont de l'argent, ils viennent investir en Europe, ils vont investir aux États-Unis et partout ailleurs, pendant que le continent est en train de se mourir. Nous voyons comment est-ce que les gens meurent. Je crois que le moment est arrivé où nous, en tant que peuple africain, nous devons nous lever en fait, pour que les choses changent en Afrique. Nous avons un continent qui a plus tout ce qu'il faut pour que la vie soit normale, mais nous, ce qui se passe, ça fait mal. Et puis je dirais, par rapport à la question que vous avez posée, oui. Pourquoi les Congolais debout? Nous faisons partie du Congo. Le Congo, c'est notre patrie, c'est notre pays. Et nous nous rendons compte que c'est un pays riche. Mais nous sommes entourés avec des gens qui ne comprennent pas que le peuple doit avoir une vie décente. Et le peuple a un problème de manger, il a un problème de boire, il a un problème de transport, il a un problème de soins médicaux. Donc, en fait, tous les problèmes qui sont lié à la vie de l'homme, le peuple souffre de ça. Okay. Et nous avons des hommes et des gens qui ne veulent pas comprendre que le peuple a droit à la vie. Voilà pourquoi nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas en train de combattre pour récupérer le pouvoir, mais c'est juste pour conscientiser la population, pour dire à la population que vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas au gouvernant de pouvoir changer les choses, mais le peuple a le pouvoir de pouvoir changer les choses. Le peuple, c'est plus qu'une bombe atomique. Wow. Lorsqu'un peuple s'élève, les dirigeants fuient. Voilà pourquoi c'est juste pour conscientiser la population. Très bien. Alors, ici, je vais... vous allez compléter votre collègue en anglais. C'est la même chose que ma collègue a dit. Le Congolais de vous... is a movement, it's not political party. So we have a lot of things to say because of today, we did plan to speak more about the history of Le Congolais Debout. Mm. So the main reason we're here is just to give to all the Congolese people, those who live in the United Kingdom and who live in, especially in London, because we are calling the London. So only London. Mm-hmm. So and as you mentioned about what the event on Thursday, we have event Thursday. That on Thursday was only for the Congolese, for the Le Congolais Debout members. Okay. It was not. I want to be clear and same for this. Okay. The event was not the open community. For the community. Yeah. So the leaders. Yes. It was only for those people who are in charge to lead Le Congolais Debout here in London. Okay. That's why. Someone like you are a member of the Congolais Debout. That's yes, of course. To come. We have too many messages or phone call coming. You guys have done a big event here, but we were not invited.
but it was not open for the community. Yeah. But we are planning to open a big event for the community the next very time. Soon, and okay. Next time maybe in January. Thank you. So that's how I can. Okay. On va essayer de manager les deux là. Cordon. Ouais. Donc, donnez-nous un peu vos impressions par rapport à ce qu'a été cet grand événement. Je dirais même que c'est une grande première. Ouais, je crois. Ouais. En fait, par rapport au mouvement Congolais Debout, je dirais que c'est parce qu'en fait, Congolais Debout est né ici à Londres. Oui. Et le premier meeting. Et nous pouvons avoir une idée sur la date? Non, c'est pratiquement. Ça fait presque. Ouais, ça fait presque. Les 10 août. Ouais. Vous voyez que j'ai une bonne mémoire. Ça, c'est très simple. Vous faites partie des Congolais Debout. Vous êtes journaliste. On a creusé. C'est vraiment une bonne Merci chose parce beaucoup. Que vous faites partie de ces grands mouvements. En fait. Merci beaucoup. Et la première, oui. Mais en fait, la chose qu'il faut retenir, c'est lequel, en fait. Oui. J'ai vraiment aimé le discours qu'a tenu, en fait, notre leader, en fait, la personne qui est en train de l'idée, qui est Cindy Kandokolo. OK. Parce qu'en fait, les gens, lorsqu'ils ont entendu le nom de Cindy Kandokolo, les gens pensaient, parce qu'il a une femme qui est une Angolaise, oui. qui est de la famille, de l'ex-famille présidentielle angolaise. OK. Mais ça n'a rien à voir avec son combat, en fait. Sa femme, elle est Angolaise, lui, il est Congolais. Et en fait, les gens, quand ils ont entendu le nom des syndicats, ils se sont dit il fait partie de l'Angola. Derrière l'Angola, il y a l'armée qui peut ramener en fait, la rébellion pour changer les choses. Moi, je crois que la chose la plus importante qu'il nous a dit, en fait, il a dit quelque chose de très important que tous nous devons comprendre. Lorsque quelqu'un utilise des moyens comme quelqu'un amène la révolution par les armes, okay. ses pouvoirs, il les prend pour lui, non pas pour la population. Très bien. Mais lorsque c'est le peuple qui s'élève, qui veut changer des choses, c'est le peuple-là qui aura le pouvoir sur les dirigeants qu'il aura lui-même mis. Et c'est différent, en fait. C'est juste pour dire aux gens que le mouvement Congolais Debout, c'est un mouvement non violent. Okay. C'est un mouvement des citoyens okay. qui peuvent venir de n'importe quel parti. Un mouvement des masses. Des masses, en fait, yes. qui cherchera à imposer, en fait, sa vision. Okay. Et puis, les Congolais Debout, c'est un mouvement de tous les Congolais, en fait. C'est vrai que dans une société des hommes, nous devons avoir quelqu'un qui doit gérer tout. Mais en fait, c'est mon mouvement, okay. c'est ton mouvement, ouais. c'est son mouvement, ouais. c'est notre mouvement. Pour les Congolais qui aspirent au changement. Au changement, oui, okay. c'est juste par rapport à ça. Okay. C'est par rapport à ça. Okay. Et ça, ce que j'ai dit aussi. En tant aussi que chrétien, en fait, je dirais... Okay. Aujourd'hui, ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce oui. que ça c'est fait le troisième volet. Oui, c'est le troisième volet. En tant aussi que chrétien, qu'est-ce que je vais dire oui. Nous avons prêché aux gens de pouvoir prier pour que les choses changent. Même la Bible ne nous dit pas ça. Nous avons l'exemple des peuples juifs, ce sont des gens qui prient. Oui. Mais pour que cette nation soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent pour se battre. Oui. Moi, je crois que nous devons prier, ce qui est une bonne chose. Okay. Mais s'il faudra s'élever pour pouvoir réclamer ses droits, okay. nous devons nous lever. Nous sommes plus que les bombes. Nous sommes plus que les fusils. Nous pouvons changer les choses si nous voulons. Quand on est debout. Quand on est debout, il faut juste s'élever. Voilà pourquoi vous vous êtes mis debout. Oui, on est debout. Merci. Mais non, on est debout parce qu'on veut que les choses changent. Ah, très bien. En anglais. I think I can say it in English. And, yeah, le résumé de ce qu'il a dit. The thing is, let me be, can I... Give me some minutes to speak in Lingala as well. Non, envoyez. On n'a jamais parlé Lingala ici, mais nous sommes obligés. Vas-y. Yes, I'm asking me very sorry. Prenez ce résumé, fais-le en anglais, en Lingala maintenant. Lingala, au moins, le mouvement des Congolais debout, na kanisi ezali ndenge cordon ti koloba na français. Oui. Et même peu de tout ça na plateau, ezali bisonyon, ezali ba langue nyonso tout. Oui. Pour soi koloba na français, monsieur pe na Lingala, monsieur pe autorisé. Autorisé. Merci vraiment. Oui. Les Congolais debout, tous ali pona d'abord pour défendre l'identité il y a peuple congolais na respect il y a droit humain na kati ya droit humain ce qui to koti to sali na ba droit moko fondamental ce qui to kay neti na anniversaire loi oyo ebima na 1948 il y a oni ezolo baki ezo pesa na droit de l'homme article 1 ti article 30 oyo attendinge to sali na mboka oyo bazali ko activité ba loi wana ya monde ezali ko tambola na mboka oyo pour la population à se retrouver. D'abord on a Congo tozali pe na droit mibeko oyo ezali ya mboka et tango mibeko ya mboka etamboli malamu te mibeko pe ya anniversaire ya monde etamboli malamu te. Oui, ça va de pair. Voilà, ya mbo moni ke ezo sala ke na mboka moyen peuple etambola malamu ezali te. Oui. Les Congolais debout biso tozali awa pona ko défendre droit humain, pour défendre surtout dans le cannabis,
Il y a Congo. Il y a Congo, il y a RDC Congo. Oui. Oyo, ils allaient colombe en article 5. Constitution. Il y a constitution en Boka Nabiso, il y a article 5. Oui. Et ils ont dit que le peuple est souverain. Oui. L'article 70 et 73, il y a constitution en Boka Nabiso. Où il fallait que l'élection soit convoquée 90 jours avant, départ il y a. Donc, et ça limité. Ouais. Voilà, au moins, ici, quand les Congolais debout et bimé, pour s'engager à peuple congolais, aux ala chrétiens, aux ala politiciens, aux ala religieuses, bisous, tout y a mon bongo ensemble, pour na koluka solution, na makambo, ils allaient coller kanambo kanabiso. Merci. Donc, président du syndicat de Kolo, n'ingéka de Kolangaouti Koloba. Oui. À sali mouvement wana pour n'abissons. Donc il n'a pas besoin d'apprendre. Je voudrais ajouter. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Là, en 30 secondes. Je voulais ajouter quelque chose parce que, au fait, les gens nous disent, au fait, vous êtes de la diaspora. Oui. Et pourquoi vous parlez plus du Congo? Parce que vous ne vivez pas au Congo. Ah, vous ne subissez pas. Nous ne subissons pas les réalités du pays. Ok. J'aimerais dire ceci. Oui. Les gens pensent que ce sont des gens qui sont au pays qui souffrent, mais j'aimerais leur dire que nous qui sommes dans la diaspora, nous souffrons en fait, nous sommes en train de subir ce qui se passe au pays. Je vais donner un exemple. Merci. Lorsque quelqu'un n'a pas suffisamment de moyens dans ce pays, c'est l'État qui supporte ses soins médicaux, c'est l'État qui paye sa maison, qui paye sa nourriture, qui paye ses études. C'est l'État qui les fait. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas suffisamment de moyens. Ouais. Mais vous vous rendrez compte aujourd'hui que les gens qui sont malades au Congo, quelqu'un qui tombe malade au Congo, il faudra que quelqu'un qui est ici en Europe envoie l'argent pour quelqu'un qui est malade. Pardon, vous savez quoi? Ouais. Pour ne pas vous interrompre, nous assumons le ministère de la Santé, des Finances, des Budgets, de l'Enseignement, des gnagnani, gnagnani. Ouais. Donc, ça, c'est nous. Ça pèse. Oui, et puis, par rapport à ça, et vous savez, il y a des familles qui ont des problèmes ici en Europe à cause de ça. Mais exactement. En fait, il y a des foyers qui se sont divisés. Pourquoi? Parce que la femme veut aider sa famille. Oui. Le mari veut aider sa famille. Il n'y a plus cette cohésion. Il n'y a plus d'entente, en fait. Okay. Et ce qui fait qu'il y a des familles, les gens disent qu'il y a beaucoup de divorcés en Europe. Ah, ouais. La plupart des divorces ici, c'est à cause de ça. Les problèmes à la maison. La plupart des enfants qui abandonnent leurs parents aujourd'hui ici en Europe, c'est à cause de ce qui se passe. Parce que les enfants se disent... Mais papa, il travaille, maman, il travaille. Oui. Mais tout l'argent qu'ils reçoivent, ils les envoient au pays. Pendant que nous souffrons, et les enfants se décident d'abandonner leurs parents. Merci beaucoup. Pourquoi nous, en tant que diaspora, nous avons pris la décision de pouvoir nous lever parce que les choses doivent changer. Merci. Merci. Et, cher Cordon, vous êtes à deux. Pas plus tard que le 31, sauf imprévu de ce mois. Nous sommes aujourd'hui le 18. Pratiquement dans 15 jours, dans 13 jours à peu près, le mandat de Kabila, énième mandat, parce qu'il est en train de jouer sur la rallonge qui lui a été accordée par les accords de Saint-Sylvain. Le mandat de Kabila va expirer. Vous qui êtes le mouvement, j'appelle ça le mouvement de masse, ou le mouvement de pression, mouvement citoyen, avez-vous prévu un plan A? Ou je dirais un plan B à cet effet. À court terme, qu'est-ce qu'on doit attendre de les Congolais debout? Ouais, le mouvement ou le slogan. C'est passé la question. Votre question, elle est claire. Je dirais nous avons déjà commencé, en fait. Il y a des gens qui pensent que les Congolais debout est seulement en Europe. Il y a des gens qui disent que c'est juste sur les réseaux sociaux. Non, nous avons un travail sur le terrain. Nous avons commencé, il y a une action que nous avons commencé au pays. Ouais. Ça s'appelle Salongo. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Nous commençons d'abord par balayer nos avenues. Nous commençons par balayer nos routes. Okay. Et nous commençons par vider nos caniveaux. Mais la salité n'est pas seulement sur la route. La salité est jusqu'au niveau du palais de la nation. Quelqu'un qui est déjà en fin mandat. Il y a eu la rallonge, nous avons dit que nous allons aussi balayer là-bas. Ça, c'est intéressant. Nous n'allons pas utiliser les armes comme les gens pensent pour balayer au palais de la nation. Non. Mais nous allons utiliser notre force en tant que peuple. Nous allons nous lever en tête, et nous allons nous lever et nous allons marcher pour pouvoir demander à la personne partir. S'il ne veut pas partir, nous allons l'aider à pouvoir partir. Parce que nous croyons que nous sommes un mouvement de masse et nous allons nous lever. Nous sommes plus qu'une bombe atomique, papa. Nous sommes une force. Un peuple, c'est une force. Ouais. Un peuple peut changer des choses. Et nous voyons en Afrique les choses qui se sont passées. Les gens qui doutent encore des forces du peuple, ils peuvent voir en Tunisie. Ouais.
Ils peuvent voir au Burkina Faso. Nous avons connu récemment en Afrique, en Égypte. Ouais. Ils ont vu ce que la population est capable de faire sans les armes. Devant les armes. Cordon, Lingala. Lingala, vraiment. Ouais, allez-y. Oui, vous pouvez les compléter. C'est important. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous d'ici pratiquement d'ici deux semaines? Merci, monsieur le journaliste. Nalingai, d'abord, on a éclairé ce mot-là comme moko. Oui, je vous en prie. Ça, là, où les Congolais de Bouassa, les Kossa. Oui. Ce qui est là, bon, moi, na Congo, les Congolais de Bouassa, là, qui déjà, Pesaki, mot d'ordre, au mon cousin, au syndicat de Kolo, à Nosaki, comment, trompette de Jéricho. Oui. Trompette de Jéricho, ils allaient, où ils habitaient ce qui, au Koma, qui, au Monaki, bah, vidéo. Tout l'anda qui est en mon salle. Où ils m'ont, et le bail, que non, moi, n'a mon camion, ce bici, Kazali. Au téléma, au bimanéfice qu'à la porte en d'ailleurs, bêta milolo, bêta bakachaka, bêta loko yon sotouza na mbobo ganga pona, kola ki sakanda na biso keno, to boy gouvernement ou yo en place. Ok. Pona nini to lansa ke loko wana, président to lansa ki ango, parce que to mona ki ke, ba manifeste yon sotou pe plazali ko sala, bakangi ango. Ok. Lelo, na Congo, boko yko télémate, boko yko sale loko mokote. Non. Comme mouvement citoyen, nous allons la liberté na biso yambo expression et d'opinion de pays voilà yambo moni le congolais de Bouloba qui était voilà na kobanda sikoyo ba samedi yo surtout kobanda kobima na banda na biso na air boy boy tant que les congolais de Bou annoncer lokoana to the good news ils se sous by église catholique ya bango pe ba maison mère la maison mère voilà maison mère maison mère bango ba lobi pe ba bité to moni boy vraiment ça ya solo madame bango pe ba joindre na katia stratégie puis idéologie où les Congolais déboyaient Kinango donc qui tout tire le coup j'ai dit on sort à 21h avec 21h ok Olanda qui a mopé très bien donc, on est connecté bima à la ligne au bêta milolo pour n'a pas l'accepter enough is enough ok mais et l'autre pour n'a pas l'accepter enough is enough ok je vous en prie oui le 31 décembre tu as dit que l'on va oui les 31 dans deux semaines oui et l'autre où il y a tout et ils allaient il y a mon côté pour la mission où il y a le 31 décembre est reçue et que le gouvernement a répondu à le monde à pouvoir et que Senga intervention il y a Mutu Nyonso. Donc le peuple congolais Nyonso. Maman, Mwana, Koko, Bisika Bozali, na Congo, na diaspora, tout la kisake, to boy, enough is enough. Oui. Et pour qui que ça la tête non, bah oyo babi mana 20h, bah oyo kuna na 22h, bah non, bisounyo sort to bima dinge ba fumi bazala. Oyé bi ba fumi en Équateur. Bah qui misa quand même njo. Yeah. So qui ba fumi ba bimi. Mais bah quoi ça rappelle une vérité. Bah pourquoi ça na ba mata wana. Quelle que soit la tête de l'arbre. Voilà. Donc c'est ça, biso to zali ko senga na peuple quoi. OK. Dato to zali ko lo ba le 31. Ouais. Tout temps il a ba politicien té. Tout le temps, mauvais le Congolais dévoué. Tout le temps, pasteurité. Tout le temps, sangoté. Et ils ont dit qu'il y a moins de tout contribuer massivement. Tout bima, tout le monde est enough, is enough. Ce qui est le but de la Kabila na Mindouki. Nga na sobi Mindouki na Yewana. Tango nga na kubimise na Mindouki. Nga nupe na kuluka na Kanza. Ya. Tout le monde qui tango mobuta longwe. Kabila koti na Mindouki. Ah, ça c'est un point très intéressant. Ce qui est le lit, moutou moussou sa ya na Mindouki. Ya. Ke abimisa Kabila. Ouais. Bongo moutou na tanga kouya. Ako se pose. Peut-être posa la pire ndenge to zali le lo. Ok. Donc, ya mo vraiment, biso nyon so, to bima, peuple congolais so bisika to zali. Le 31 e zali kango ya biso nyon so. Ok. Très bien. En deux mots. Peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, avant qu'on prenne. Qu'est-ce que je parce qu'on va devoir balancer l'extrait de ce qu'a été notre interview avec le monsieur syndicat Dokolo. En fait, j'aimerais dire en fait, que le Congo n'a pas. En tant que, j'aimerais parler en tant que pasteur, en fait. Vous savez, je vous en prie, oui. Vous savez, lorsque Adam était dans le jardin, oui. Il était en train de vouloir, il s'attendait à, il était en train de chercher à avoir un être semblable à lui. Oui. Et je crois qu'il a fait le tour, en fait, du jardin. Du jardin. Il n'a pas trouvé. Oui. Lorsque le Seigneur, notre Dieu l'a fait endormir, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte que Dieu a souri quelqu'un de lui, en fait. Okay. Parce qu'en fait, la plupart des choses que l'homme cherche à vouloir chercher dans l'autre personne, c'est que je peux chercher. C'est que moi, je suis en train de penser vouloir chercher en toi. Oui. Je l'ai en moi. Oui. C'est pourquoi oui. je dis,
Le Congo attend un homme providentiel. Mais je dis, cet homme providentiel ne viendra pas en dehors du Congo. Cet homme providentiel, il est dans le Congo. En fait, si aujourd'hui, en tant qu'un peuple, nous nous levons, nous allons changer des choses. Et le 31 décembre, Kabila devient illégal, illégitime. Il n'est plus président. Okay. C'est une nation sans président. Okay. En tant que peuple, nous devons nous lever pour remettre de l'ordre. Je demande à la régie de nous balancer un peu cet extrait de l'interview. Si la régie peut nous aider à le temps de nous permettre de soupirer un petit peu. Monsieur le Président, la presse ne peut pas vous abandonner comme ça. Vous nous avez confirmé devant des millions de gens qui vous les combats dans lesquels vous vous êtes engagés, mais est-ce à politique? Or, au Congo, tout ça, tout le monde sait que vous avez révisé politique. Vous démentir cette rumeur devant des millions de gens qui vont nous suivre. Je crois que si j'étais dans une dynamique politique, je serais déjà à Kinshasa en train de négocier des postes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est sauver le Congo. On ne peut plus continuer avec le même système des gens qui vont négocier des postes. Ils vont chercher des votes, ils vont chercher quelques militants, et ensuite ils vont aller vendre ça dans le pouvoir actuel. Ce système-là, c'est un système corrompu qui a déjà créé tellement de misère, de pauvreté et de souffrance en un peuple congolais. Ça doit terminer, ça doit suffire. Pour nous, la vraie solution pour le Congo, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est celui qui ne s'engage pas pour essayer d'obtenir quelque chose en échange qui serait le pouvoir. L'engagement citoyen, c'est celui qui ne peut plus rester les bras croisés pendant que le peuple congolais est en train de souffrir et de mourir. Donc moi, la politique, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas l'objectif. C'est le Congo. C'est le Congo votre objectif. Alors, pour tout ce monde-là qui va vous suivre en direct, je dirais même des millions de gens à travers la planète, comment vous croire? Parce que franchement, comment faire l'erreur au régime en place? Si tel le cas. Je crois justement, l'idée, c'est que lorsque vous ne faites pas de la politique, les gens ne savent pas comment vous récupérez, comment vous achetez. Moi, les gens savent. Je ne peux pas aller loin. Mon engagement pour le Congo, ce n'est pas l'opportunisme. Moi, j'ai déjà ma vie. Je suis chef d'entreprise. J'ai des responsabilités. J'ai une vie à l'extérieur. Je pourrais bien passer ma vie à l'Est et pas croiser à l'étranger. Je ne le fais pas parce que pour moi, la question du Congo, l'amour que j'ai pour le pays, c'est la priorité. C'est une question de devoir moral. C'est la terre de mes mères, la terre. Alors, moi, je suis né à Kinshasa. C'est mon pays. Je ne peux pas rester à l'étranger à l'Est. Si je sais que les Congolais. Donc c'est ça l'engagement. C'est bien ça qui dérange. Merci une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Ok, Steve, tout pour votre premier étude. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Ok. Merci. Merci. Pessa Tati Merci. Pessa Tati Merci. Ok, sur les caprices de la technique. Merci et bon retour sur le plateau. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Sentez-vous à l'aise. Hein? Ouais. Et vous êtes bel et bien branché sur la chaîne de télévision Olive qui est en train de mettre ici à Londres. Et ça, c'est votre mission Diaspora Positive, qui a pour mission d'impacter d'abord les communautés d'une façon positive. Avant de commencer à parler impactation au niveau de l'Afrique. Cordon, Jean-Pierre, vous avez évoqué un problème avant que nous ne prenions cette petite pause. Vous avez suivi les déclarations de numéro 1? Oui, j'ai suivi les déclarations. En fait, confirmez-vous les propos? Oui, je confirme ces propos. En fait, ils sont très importants. Les gens pensent que les Congolais debout militent pour avoir le pouvoir. Non, nous ne sommes pas en train de nous combattre pour avoir le pouvoir. Mais nous sommes en train de combattre parce que nous voulons que l'ordre revienne, en fait. Le mouvement, les Congolais debout, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen, un mouvement d'éveil de conscience, un mouvement de prise de conscience. Nous, en tant que peuple, nous devons prendre conscience pour pouvoir changer les choses. Le pouvoir doit venir de nous. C'est nous qui devions faire c'est nous qui devrions imposer les dirigeants dans notre volonté, c'est nous qui devons les choisir, en fait. Okay. Mais ce n'est pas un mouvement, nous ne sommes pas un parti politique. Okay. Mais nous, la porte, elle est ouverte. Que vous soyez, mais je dis même que vous soyez du PPRD, permettez-moi le terme, que vous soyez de l'IDPS, que vous soyez de n'importe... Quand vous dites du PPRD, c'est le parti au pouvoir. Oui, je me dis que dans ces partis au pouvoir... Are you joking? Je ne suis pas en train... Ce n'est pas un joke. Je ne suis pas en train de joke. Okay. C'est la vérité que je suis en train de dire.
La porte est ouverte à tout le monde. Toute personne qui peut comprendre que les choses ne sont pas en train de bien marcher. Ouais. Donnez-nous, écoute, nous sommes suivis par des millions de gens. Ouais. Nous sommes en live. Ouais. Ça, c'est Diaspora Positive. Ouais. Voulez-vous nous confirmer ouais. cette information selon laquelle ouais. vous accepteriez tout le monde? Quand vous dites tout le monde, ça dit y compris les gens qui sont au pouvoir. Oui, les gens qui peuvent dire aujourd'hui que nous sommes en train oui. de... Les choses sont en train d'être mal gérées. Oui. Les gens qui peuvent voir que je fais partie du peuple, mais la manière dont nous sommes en train de diriger les choses, ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent marcher. Ils peuvent nous rejoindre, la porte est grandement ouverte. Venez, ensemble, nous deviendrons unis, nous pouvons changer les choses. Merci. Alors là, excusez-moi parce que là vraiment. Papa, donc, Nakoko Tandenge, Nikonangaoti Koloba. Oui. Les Congolais débutent d'abord, ils ont dit mouvement Yaba Congolais. Oui. Réagir à l'interview au numéro Sali à Accordé Bissot. Voilà, président Aoti Koloba, clairement, Bissot n'a les Congolais débutent aux Aliouana pour Namakambe à pouvoir. Mais Kassé, Moutoua Azali n'a pas ambition dans les politiques. Oyo peut-être a dit que non ngai na lingiem sunaza la député national na boka na sénateur bon sénateur voilà donc ozali welcome na katia le congolais debout tokoki ko kanga jamais vision ya mutu qui est à comme place à lingi mais leader na biso ce syndicat de colo ye azali te poke a sa le congolais debout te na idée que non lobby a la président de la république o boy boy non ezali wrong mais tout ça tant on dironga lobby que non porte est allée ouverte na batu nyo soto mais quand même na batu bazali ko boma batu kuna te bazomona donc batu oyo te dit que bazali ba congolais congolaise balobi que voilà to moni ke biso tozali na wrong ndenge moto tozali na pese exemple tozali ko mona pe na bande ko na biso ya ba politiciens to moni ba mosusu bazala ki na gauche ne na gouvernement tant ngo ba moni ke ba bimi ba mite tozali na place moko ya wrong ba ni ba joindre bande ko na ba moya opposition. Et bah, on est ensemble. Ok, G7. Na biso, voilà, biso, si pour y'en a les Congolais debout, tous allés parti politique, tous allés mouvement citoyen en politique, donc portez ça ouvert, na moi, na mboka, nous sommes Congolais, Congolaises. Okay. Ceux qui ont l'ingos à la politicien, yaka. Ok. Yaka travailler dans les Congolais debout, opportunité pour qu'il y ait des tinasouka. Ok. Donc, ils allaient te pour la politique, non. Ok, nous tendons vers la fin de cette première partie de l'émission. Cordon. Quelles sont les conditions d'adhésion en termes simples? Les termes simples. Parce que vous venez déjà nous avons, excusez-moi, parce que la répétition est la meilleure des séances. Ouais, ouais, nous avons un site internet. Oui. Nous avons un site internet où il y a une fiche d'adhésion. Okay. Quelqu'un peut juste mettre son nom, s'il adhère au mouvement, il peut juste mettre son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Et aussi dans toutes les villes, que ce soit au pays ou ici à. Là où nous sommes en Europe, partout ailleurs, il y a dans chaque ville les représentants de Congolais debout. Oui. Les coordonnateurs ou les responsables au fait des villes, les responsables des cellules. Okay. Et c'est là où ils peuvent aussi aller pour commencer à avoir des informations et contribuer. Parce qu'au fait, le mouvement Congolais debout, c'est un mouvement de masse. Et ce n'est pas seulement la vie au fait du leader qui s'impose, mais nous aussi en tant que citoyens. Nous pouvons apporter des innovations, des idées, nous pouvons apporter des idées qui peuvent être adoptées au niveau central. Et puis, pour que les choses marchent. Mais l'adhésion, elle est simple. Okay. Tout citoyen congolais, d'abord, il faut être congolais. Oui. Il faut être congolais. Et tu peux adhérer à ce mouvement. Juste à n'importe quel prix. Non, il n'y a pas d'argent, on ne paye pas l'argent pour être un Congolais debout. Il faut juste être un citoyen congolais. Soucié du changement. Nous avons besoin de gens qui ont les soucis du changement. Okay. Les gens qui pensent que les choses ne sont pas en train d'aller dans une bonne direction. Okay. Les gens qui pensent que les choses peuvent changer, ils sont le bienvenu. Les portes sont grandement ouvertes. Venez et ensemble, nous allons monter des stratégies pour faire changer des choses. Merci. Cordon. Oui, condition d'adhésion. Donc, les alliés, bisous dans les Congolais debout. Ils allaient gratuit. Ok. Parce qu'ils allaient mouvement, il y a pas congolais. Ouais. Ils te foutent sa carte de mon côté. Mais pour s'adhérer à ce mouvement, les tibis se battent à. Il y a ville et l'onde. Ils allaient dans le site où on a cordauté et Koloba. Oui. Ils allaient www.lescongolaisdebout.com.
on est allé site na biso officiel parce que tout le monde a kipé dernièrement batia qui va site mususu piraté piraté oui. Donc ils allaient www.lescongolaisdebout.com kuna okukuta ba formulaire ni soto mais ceux qui n'étaient en Angleterre awa ndenge tous allaient ko travailler biso tous allaient ko coordonner kaka London ville à London ville à Londres ceux qui aux allaient na Manchester aux allaient na Birmingham tous allaient pe na ba représentant au bazali kuna donc ils sont contacté biso que yebai bangote biso to kozwa ba détail na yo to pesa coordinateur wana yende a ko contacter de muto azali na ville ya Londres a ko contacter de to bino mi balé awa nde to koyi ba ko pesa ba information bino de bo gérer biso na ville ya Londres to azali na kati ya Londres donc nous sommes bien vraiment on est bien entouré au fait biso na bino to azali ko kamba non il n'y a pas j'aime ça parce que le numéro 1 avait dit il n'y a pas de mukondi non non au fait c'est qui tue aux autres c'est qui tue en fait notre communauté aujourd'hui, c'est ça. Les gens aiment être leader. Okay. En fait, un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qu'on sert, mais c'est quelqu'un c'est qui sert. C'est lui qui sert. Ouais. Oh, là, nous revenons à la parole de Dieu. Ouais, qui est le plus grand. Effectivement. Ok, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette première partie de l'émission. Les Congolais debout. Cordon, Jean-Pierre. Jean-Pierre Kayendo, oui. En 30 secondes, une conclusion, un message fort à la communauté congolaise, parce que l'émission a une consommation congolaise. Nous avons un problème qui nécessite l'engagement de tous en tant qu'un peuple. Lorsque quelqu'un entre dans votre maison, papa et maman, même si vous aviez des problèmes, mais lorsque un étranger vient semer du désordre dans votre maison, vous oubliez d'abord ce qui vous divise. Vous allez d'abord faire partir cet invité qui est venu mettre du désordre et vos linges, vous allez les laver dans votre maison. Le moment est arrivé où nous devons nous lever comme un seul homme, arriver à bouter l'ennemi hors du Congo, que les choses redeviennent normales, que le peuple congolais puisse profiter de ses minéraux, profiter de son sol, profiter aussi, parce qu'en fait, le peuple congolais, le peuple d'abord, un Congolais, c'est d'abord une richesse. Ah bah absolument. Ouais. Oui. Et nous devons mettre nos divisions de côté, être ensemble pour arriver à changer des choses. Lèvons-nous parce que nous sommes le peuple congolais. Merci beaucoup. Cordon Tati, à 30 secondes. Merci à l'ami d'abord. Je remercie you, sincèrement, vraiment. Pour PCD sur l'opportunité où il y a pour passer un message à les Congolais debout. Merci beaucoup. En même temps, je vais remercier l'équipe Mobimba et Olivier TV. Ah oui, absolument. Et surtout mon cousin Nango. Parce que aussi. Tout remercier. Qui est en train de nous suivre. Vraiment, grâce à l'opportunité pour PCD sur passer un message. Nous sommes tous allés pour le Kézali Kabola. Merci. Et message dans la communauté congolaise, Messika Bazali. Tout ce qui a été fait, parce que mon tour, c'est que nous avons une mission de passe. Bisous, mon tour, c'est la terre, comme tu es bien, c'est la Congolais, Congolaise. Tous ont la responsabilité dans Bisous. Peuple congolais, c'est que vous allez, vous allez côté concept où il y a le 31 décembre. Le 31 décembre, vous allez date. Le 31 décembre, on a pour la date, on est à la concrète. Donc, il y a un angaï, et c'est que tout ça, on a bon mot, tout y est, et le connaît, tout le monde. Tout élément, tout simbana, tout le monde a la divergence, la division. Boya tous à la mission surtout ici Kamoko et la Kalisi que na bomoko, na unité, na bolingo, nde to kolonga mitumba tous allés pour bunda na yango. Mais ce qui te tient division, to komi kotali la totali la moto songolo bandeko to kotourner toujours à Rotika et Nzambe à Pambola Bino. Merci. Alors, ce que j'aime dans le Congolais debout, c'est la place de Dieu. Hein. Important. Tout tourne autour de la... Important. Alors, ça, c'est important. Intéressant. Nous Dieu nous qui a dit, si l'Éternel bâtit la maison, ce qu'il a construit, non, il en vain. Donc, voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ce point-là que nous mettons d'abord un petit, je dirais même une pause pour la première partie de notre émission. C'était le Congolais debout. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Oui. Voilà. Hein, et les gens qui vous le bienvenus. Donc, les gens qui voudront à votre disposition peuvent nous contacter au travers de votre numéro. Absolument, merci beaucoup pour cet honneur. Ouais, les gens qui voudront nous voir, ils peuvent déjà. Ce n'est qu'une partie remise. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Une pause. Bye bye.
président, la presse ne peut pas vous abandonner comme ça. Vous nous avez confirmé devant des millions de gens qui les combats dans lesquels vous vous êtes engagé, mais est-ce que la politique? Or, au Congo, tout ça, tout le monde sait que vous avez révisé la politique. Vous démentir cette image devant des millions de gens qui vont nous suivre. Je crois que si j'étais dans une dynamique politique, on retour sur le plateau. Voilà, ça a été vraiment pour nous une journée, je dirais même trop spéciale. Vous avez suivi l'intervention combien musclée de deux premiers intervenants. Vous avez dit, j'ai cité les deux coordinateurs du mouvement des masses, le Congolais debout ici au Royaume-Uni, particulièrement ici à la ville de Londres. Et dans la seconde partie, là, le décor a complètement changé. Je vais recevoir le professeur Noël Mbala, qui est un habitué et un analyste politique de renom, avec qui on a eu à passer de bons moments. Professeur, soyez le bienvenu. Merci. OK. Professeur, Congo, notre mère patrie, la RDC, elle est malade. Et c'est connu de tout le monde. Alors, pour ne pas céder à la fatalité, nous n'allons plus vraiment perdre le temps, parce que c'est connu de tout le monde. Le constat est là. Le diagnostic est là. À moins d'être vraiment aveugle, vous ne pas vous rendre compte que ça ne va pas. Professeur, pour cet après-midi, nous avons arrêté un débat. Et curieusement, quand j'ai balancé l'info sur les réseaux sociaux, il y a eu vraiment une surchauffe. Les gens ont réagi. C'est là où j'ai compris que non, cette affaire, donc on doit vraiment la prendre au sérieux, quoi. Le problème de la RDC. Dis-moi, vous qui êtes là, dites-moi plutôt, vous qui êtes là, comment nous allons nous y prendre. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons... Donc, on va ouvrir les débats avec le professeur Noël Mbala. Et comme on a déjà consommé une bonne partie de minutes, pas lundi prochain, mais après les festivités. Parce que maintenant, en tout cas, entre nous, on ne peut pas débattre de tous ces problèmes pendant les festivités. Comprenez aussi nos soucis à nous. Mais au début de l'année prochaine, nous allons y revenir pour continuer avec les débats. Professeur, sans plus tarder, je m'en vais tout droit vous poser la question. Que faire? Le constat est là, le diagnostic est là. Comment peut-on guérir la République démocratique du Congo? Oui, comment on peut guérir la République démocratique du Congo? La première chose que personne, une seule personne, un individu, personne ne peut prétendre avoir la solution. Donc je n'ai pas la solution, moi. Mais au moins, je peux contribuer à réfléchir. Je crois que la première chose à faire, c'est s'accorder sur le diagnostic. D'où vient le mal congolais qui, aujourd'hui, est incarné par Kabila? Ce mal vient de l'histoire de notre pays. Nous partons de l'époque léopoldienne. Okay. À l'époque léopoldienne, une des instructions que Léopold avait données, c'était que aucun pouvoir ne peut être reconnu aux autochtones. Donc tous les pouvoirs devaient être entre les mains des Belges et les Congolais de l'époque ne pouvaient être que des exécutants. Et ça a créé des réflexes du genre les solutions doivent venir du blanc, le commandement doit venir du blanc. Et cela malheureusement continue à se refléter dans le comportement des acteurs politiques de notre pays d'aller chercher des solutions ailleurs que au lieu de les chercher dans le peuple congolais. Et là, je dois saluer l'initiative des Congolais debout, particulièrement M. Dokolo, qui est en train de lancer un mouvement où les Congolais se disent « il faut que nous trouvions les solutions nous-mêmes okay. ». Quand il y a un problème, on se met debout et on dit « voilà ce que nous, en tant que Congolais, ce que nous voulons ». Alors, ça, c'était l'époque coloniale. Alors, on prend
On arrive le 4 janvier 59, oui. Les Congolais trouvent qu'ils ne pouvaient plus continuer à être assujettis par une puissance étrangère. Ils se sont révoltés et ils ont demandé l'indépendance. Malheureusement, l'indépendance sera donnée dans la grande précipitation. Et les Belges l'avaient fait exprès parce qu'ils savaient que les Congolais ne se connaissaient pas et ils n'avaient formé personne. Monsieur Lumumba aimait beaucoup le pays, mais malheureusement, rien dans son passé ne l'avait préparé aux lourdes responsabilités qu'il prenait le 30 juin. Et évidemment, le démarrage a été mal engagé. Oui. Le 30 c'était juin. Mal parti. Oui. Et il y aura des mutineries, il y aura des sécessions. Au Katanga d'abord, au Kasai, et ensuite il y aura un gouvernement parallèle à Kisangani. Donc tout cela n'a pas permis au peuple, à la République du Congo, d'avoir une direction claire à partir du moment où ils ont pris l'indépendance. Oui. Et il se fait que depuis 57 ans que ce pays est indépendant, ça c'est la 58e année, oui. Il n'y a que Joseph Kasavubu, le premier président, et Patrice Lumumba, oui. qui ont reçu un mandat en bonne et due forme. Tous les autres, donc pendant 52 ans, puisque Kasavubu a fait plus ou moins 5 ans, oui. pendant 52 ans, ceux qui conduisent le pays le conduisent par la force. Oui. Et lorsqu'ils conquièrent le pays par la force, ils reproduisent le modèle de Léopold. C'est-à-dire qu'eux qui sont au pouvoir, et ils pensent que le Congo, c'est leur propriété, ils vont gérer ça comme un bien personnel. Ils ne le gèrent même pas, ils malmènent le pays. Et puis, bon, on arrive à une crise qui, aujourd'hui, est incarnée par un homme qui s'appelle Joseph Kabila, oui. qui ne devrait pas être là. Mm-hmm. Il n'y a vraiment rien qui est là à partir de son identité. L'identité de M. Kabila a été remise en cause plusieurs fois et très officiellement, le jour où le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Gucht, est allé au Congo. Ouais. Dans l'avion, on a distribué un papier qui disait que M. Kabila était un sujet rwandais. Et le président Obasanjo, okay. à un moment donné, au moment où il conduisait la négociation avec les Nkunda Batware et tout ça, dialogue. Il se retrouvait avec Kabila et Kagame. Oui. Et à un moment donné, ils ont échangé en Kenya-Rwanda, tous les deux. Et Obasanjo était sur... Donc, mais est-ce que les parlent qui rwandais ou si c'est quelle langue? Quand vous êtes chef de l'État, vous oui. parlez soit de la langue officielle ou la langue une des langues du pays. Vous n'allez pas vous permettre, quand il s'agit de votre pays, de parler une langue qui n'est connue de personne dans le pays. Mais professeur Denemont, il s'est exprimé, il avait coordonné un interphone anglais. Ce qui n'est pas mal. Vous n'entendrez jamais un président qui se prend au sérieux, qui respecte son peuple, faire une interview dans une langue que son propre peuple ne comprend pas. Il peut aller faire une conférence dans une université parce que ce qu'il veut est que la pensée, sa pensée soit comprise par l'auditoire. Mais okay. lorsqu'il parle au nom du pays, lorsqu'il est en représentation, un chef de l'État, un ministre, doit parler la langue que le peuple comprend. Okay, je vous conseille, allons-y. Okay, alors, merci. Donc, M. Kabila ne devait pas être là où il est. Et depuis qu'il est arrivé là, il fait même pire que Léopold II. Parce que Léopold II, malgré tout ce que... Il nous a coupé les mains, il a pris les femmes en otage, il a fait fouetter les gens, tout à fait d'accord. Mais au moins le bilan de Léopold II est là. Mais lorsque nous regardons... Professeur, vous comparez M. Kabila au roi Léopold II. Non, j'ai dit qu'il fait pire. Ah, oui, il est pire que totalement, le roi. Oui, il fait pire parce que ce que nous vivons aujourd'hui, oui. c'est des abus. D'abord, son identité oui. est remise en cause. Moi, j'assume ce que je dis, l'identité de M. Kabila est remise en cause. Ça signifie que nous avons affaire à ce qu'on appelle une imposture. Okay. Alors, si
M. Kabila n'arrive pas à clarifier ça en 20 ans, il est au pouvoir pratiquement depuis 20 ans, si en 20 ans il ne clarifie pas son identité, il n'y a rien dans son comportement politique qui montre que lui, il est congolais, qu'il aime son pays et qu'il est disposé à le faire avancer. C'est pour ça que les Congolais, le 31, oui. le 31 doivent absolument acter. Même s'il ne part pas, mais chaque Congolais doit se dire, le monsieur qui est devant là-bas, oui. il ne peut pas nous engager. Parce que si les Congolais ne nous le disent pas à haute voix, comme Nanga de la Commission nationale électorale, oui. lui a donné un an. Pendant cette année, il va encore faire il va causer des tragédies partout et il va continuer à hypothéquer l'avenir du pays. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait puisque c'est lui qui signe tous les contrats pour les minerais et tout ça. Ouais. Nous ne savons pas jusqu'où il a hypothéqué le pays. Alors si les ressources du Congo ne peuvent pas financer son développement, je ne sais pas avec quoi on va financer le développement du Congo à l'avenir. Oh. Je conclus donc en disant que oui. le diagnostic, c'est que le pouvoir a été accaparé depuis Léopold II. On l'a un petit peu exercé en 1960 avec Lumumba et Kasavubu, mais malheureusement, on n'avait pas l'expertise. Mobutu l'a confisqué, tout comme Kabila ici, père et fils. Donc le pouvoir a échappé complètement au contrôle du peuple. Donc nous n'avons plus le contrôle du destin. Et il faut, dans toutes les démarches que le peuple congolais fait, il faut qu'il arrive à contrôler le destin. C'est-à-dire pouvoir dire que c'est monsieur Jean-Paul Majepa qui va nous conduire pendant 5 ans et nous sommes tombés d'accord sur le programme qu'il nous a présenté. Si le programme ne nous convient pas, il doit y avoir des mécanismes pour lui retirer le mandat. Donc, ça, c'est en guise de conclusion pour la première partie. Sur le constat. Diagnostic. Sur le diagnostic. OK. Et dernière question avant de boucler cette édition. Professeur, mais les Occidentaux soutiennent assez que M. Kabila soit aux affaires jusqu'à ce qu'il ait élection d'un nouveau président. Partagez-vous cet avis ? Non, pas du tout. Et je m'insurge contre tous les Congolais qui vont aller demander à gauche, à droite, la bénédiction pour décider ce que le Congo doit devenir. Oui. Non. Chaque peuple, le bon Dieu, c'est un droit divin. Si je suis Congolais, c'est de droit divin. Je n'ai pas demandé à naître au Congo. Je suis né au Congo, j'ai une terre au Congo, c'est un droit. Et il n'y a pas un peuple au-dessus du peuple congolais. Donc le président d'un autre pays ou une entreprise d'un autre pays qui vient au Congo, elle est la bienvenue dans la mesure où elle veut faire des affaires correctement avec nous. Personne n'a le droit de venir nous apporter la mort parce qu'il nous considère comme des êtres inférieurs. Non. Le destin du Congo doit se décider par les Congolais et au Congo. Nous respectons les intérêts de ceux qui investissent au Congo, mais de là, venir faire violer nos mamans, faire couper les pieds à nos enfants, hypothéquer toutes les ressources du pays, non. Mais M. Kabila est là par la force et nous avons dit nous devons lui contester ça. M. Kabila ne sera plus considéré comme président. Il peut se maintenir là-bas, puisque c'est la force, mais il faut que le peuple congolais se détermine pour lui faire échec. Et là, je soutiens complètement les Congolais debout. Il faut que nous nous déterminions à lui faire échec pour plusieurs raisons. Il ne devait pas être là, il est là. Et il est là en train de détruire le pays. On ne peut plus lui laisser le temps de continuer à faire le mauvais travail qu'il fait. Chers téléspectateurs, notre ennemi pour cet après-midi s'appelle M. Letang. Professeur, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'on vous a pris vraiment de court. C'est un plaisir. Nous allons y revenir avec force et détail au début de l'année prochaine.
Parce que je sens vraiment que là, on a ouvert la boîte de Pandore et donc on s'attend vraiment à ce que vous allez ventrer vraiment le bois. Mais le temps nous fait défaut. Maintenant, on ne peut que souhaiter, c'est pas en guise de petite conclusion, pour ce que le diagnostic, nous y allons étape par étape. Et après ce diagnostic ou ce constat malheureux, nous allons nous poser, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo sorte de là où il est. Bon, en résumé, pour moi, ce qu'il faut faire pour l'instant, l'obstacle, c'est... Nous n'avons que 30 secondes. C'est M. Kabila et son régime. Il faut qu'en tant que peuple, nous puissions faire sauter cet obstacle, oui. Et peut-être on y reviendra. Ouais, j'ai quelques suggestions que je peux faire. On va y revenir. Et après ça, quand l'obstacle est parti, ce n'est qu'un début. Ouais. C'est à ce moment-là que le vrai débat doit commencer. Okay. Qu'est-ce que nous voulons faire du pays? Et moi, encore là, j'ai une proposition. C'est l'administration qui gère le pays, pas les politiques. Okay. Les politiques sont là pour assumer. On va y revenir, professeur. Merci une fois de plus. Le temps nous fait défaut. Chers téléspectateurs, nous tenons d'abord à dire merci au propriétaire de cette grande chaîne, le pasteur Nkosi. Et je salue en passant l'ancien Pécos qui vient de fêter son anniversaire. Tous les hommes de Dieu qui nous continuent à croire à ce que nous sommes en train de faire. Vous, les millions de téléspectateurs, vous êtes là, vous avez du prix à nos yeux. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et à lundi prochain, ça sera un grand événement parce que c'est le jour où vous êtes né, Noël. Non, je suis né le 11 février. Ah, bon, pourquoi vous portez le nom de Noël? Quelqu'un qui m'aimait bien dans l'enfance, il a décidé que je m'appelle comme ça. Donc, voilà. C'était un grand monsieur, c'était un prêtre, il est devenu le premier évêque de Kasongo, au Maniema. Vous comprenez, donc nous saluons aussi le couple Thérèse et Jean-Robert, Béni, Tati et Dada. Vous êtes nombreux, vraiment nous vous respectons. À la prochaine.